hier soir du Limoges CSP contre Gravelines. Les Limougeaux ont pourtant tenu bon face au leader du championnat de Pro A. Jusqu'en prolongation, ils se sont inclinés 80-91. Jean-Martial Joncard, Henri Simonet. Cruel et un rien inique ce match pour des Limougeaux qui eurent toutefois des occasions de l'emporter. Mais un manque d'adresse, 43% seulement, parfois un manque de lucidité, un bon nordiste supérieur et des arbitres, comment dire? Comment rester poli face à de telles flagrances? Au final, Gravelines a su faire respecter la hiérarchie. Un excellent match de basket parce que les deux équipes se sont livrées à fond avec les choix tactiques des deux côtés, je pense qu'ils étaient bien établis et on se rendait pour tout coup pour coup. Je comprends que le perdant soit déçu. Dès l'entame, on comprit que ce serait un véritable combat. Brockmann s'y annonçant énorme côté Limoges. Les deux équipes cherchaient un peu d'air à trois points et Gravelines menait à la pause 35-34. Mais divine surprise, le CSP se fit alors patron. Patron fragile néanmoins, qui ne réussit jamais à dépasser les 5 points d'avance. À la 33e, tournant du match, 4e faute pour Sambou Traoré, transformé en technique, puis en disqualifiante pour contestation, Gravelines repassait devant. Mais à 5 secondes de la fin, Wanamaker arrachait la prolongation sur deux lanciers francs pleins de sang-froid, 73-73 dans un beau blanc de folie. Prolongation pourtant fatale au CSP, qui céda dans une avalanche de fautes sifflées contre lui, 91-80. Vous savez, je pense qu'on aurait vraiment pu gagner ce match, réellement, au moins jusqu'à la prolongation. Alors maintenant, on doit apprendre de cette rencontre, de nos erreurs, notamment dans le quatrième quart-temps et en prolongation, et dépasser tout ça, en retirer quelque chose de meilleur et s'améliorer en tant qu'équipe. Une défaite dont Limoges n'a pas à rougir, mais qui pourrait coûter plus que quelques points. De nouveaux jets ont eu lieu sur le parquet, notamment de briquet. Et le rapport de match risque de valoir plus qu'une nouvelle amende au CSP.